Chapitre 2, l'élément chimique. Grand 1, les isotopes. La définition d'un isotope. Les atomes ayant le même nombre de protons, mais des nombres de neutrons différents, sont des isotopes. Des atomes isotopes ont les mêmes propriétés chimiques. Pour bien comprendre cette notion, nous allons prendre deux exemples. Le carbone C6-12 et le carbone 6-14, qu'on appellera le carbone 14. Ici, si nous devions calculer le nombre de neutrons, nous aurions N qui est égal à 12 moins 6 égale 6. Ici, le nombre de neutrons, qu'on peut appeler N', sera égal à 14 moins 6, et donc nous avons 8 neutrons. Dans le premier cas, nous avions 6 neutrons, dans le deuxième cas, nous avons 8 neutrons. Ces deux éléments chimiques sont deux isotopes, car ils ont deux nombres de neutrons différents. Nous pouvons prendre un deuxième exemple, l'oxygène, tout en écrivant plus gros, évidemment, hein, 8, 16, et l'oxygène, 8, 18. L'oxygène 16 et l'oxygène 18. Ici, nous avons 8 neutrons, N est égal à 8. Et ici, nous avons combien de neutrons? 18 moins 8, hein. N vaut 18 moins 8, et qui est égal à 10 neutrons. Donc, les deux ont même nombre de protons, ont même numéro atomique, mais seront différenciés par deux nombres de nucléons différents. On dit que ce sont bien deux isotopes.